Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver avec toute l'équipe. Salut à tous les quatre. Bonsoir. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Et si le président de la République était une présidente? Choisir une chef, c'est ce que vous nous proposez ce soir. Eva. Un petit voyage gastronomique au cœur de Paris, vous allez voir. On mange notre... Oui, on va un peu manger aussi. D'ailleurs. Mathieu dans le 5 sur 5 ce soir. La reine Elisabeth et Greta Thunberg, même combat. Ok, tout un programme. Patrick, votre édito du jour. Un petit tour au tribunal de Nicolas Sarkozy, images sans parole. Autant de sujets que l'on soumet à notre invité, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui sera avec nous dans un instant. Du homard ce soir pour nos invités du dîner. Jacques Vendroux, grande, immense voix du sport à la radio depuis plus de 50 ans. Et Dany Briand qui rend hommage à Charles Aznavour, du homard breton en pastilla, recette imaginée par Mélanie Serre, notre chef du jour, chef du Louis Vin à Paris. Du homard en pastilla, c'est tout bien à ça fait. Un demi-homard par pastilla. Exactement. Avec une bisque légèrement réduite, avec un peu d'agrumes, vous allez voir, c'est très très bon. Merci beaucoup, chère Mélanie, à tout à l'heure. C'est un ancien Premier ministre qui parle, 5 ans à Matignon de 2002 à 2005, vice-président du Sénat de 2011 à 2014, 50 ans au cœur de la vie politique, une expérience qui fait de lui un sage, et il le prouve dans son dernier livre. Il nous annonce qui va gagner l'élection présidentielle de 2022. Jean-Pierre Raffarin est ce soir notre invité. Bonsoir Jean-Pierre Raffarin, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Merci. Choisir un chef, c'est le titre de votre ouvrage, un essai sur les secrets du leadership, pas qu'en France, hein, dans le monde et à travers l'histoire. Livre à la fin duquel, si on sait lire entre les lignes, on découvre le nom de celui qui, selon vous, sera élu en avril 2022. Et vous êtes plutôt sûr de vous. Je vous cite, jusqu'ici, je ne me suis trompé de pronostic qu'une seule fois lors des 12 dernières élections présidentielles. 12, ça veut dire les premiers et deuxième tours, hein, des 6 dernières élections, depuis Valéry Giscard d'Estaing. Vous vous êtes trompé en 2002, c'est ça? Non, je me suis trompé en 81. Je croyais Giscard, j'aimais Giscard, j'aimais ce président et je l'aimais tellement que je n'ai pas vu cette vague monstrueuse que toute la France a vue et qui a emporté Giscard et les Giscardiens. Mais une vague monstrueuse. Enfin, une vague très, très importante, pas monstrueuse au sens péjoratif du mot, mais une vague très puissante que je me reproche de ne pas avoir suffisamment senti. Mais ça, c'était parce que la jeunesse est passionnée et que Giscard nous avait emmenés avec enthousiasme dans cette logique de réforme. Je reprends son slogan d'ailleurs parce que c'était assez l'esprit français, c'était le changement dans la continuité. J'ai cru que vous alliez l'imiter. je pourrais, mais enfin. Le changement dans la continuité, c'est vraiment très français. On n'oublie personne. C'est le changement, d'accord, mais la continuité. On garde les mêmes, mais on change un peu. C'est vrai que ce livre, il est parti d'une expérience de cours, parce que c'est un cours à l'École supérieure de commerce de Paris, que j'ai fait aussi en Chine, que j'ai fait en Afrique, que j'ai fait au Canada. Et donc, j'ai cherché à savoir si diriger, c'était une science. Je l'ai fait pour les entreprises, parce que j'étais beaucoup dans les entreprises. Je ne suis pas fonctionnaire. Oui, donc vous avez alterné vie politique et vie au sein d'entreprise. Quand la vie politique n'est pas favorable, je suis allé chercher un job dans le privé. Et ça m'a permis de voir comment... Est-ce que diriger est une science, un art? Et naturellement, de l'appliquer à la politique en essayant de passer tout ça au scanner avec les grands que j'ai pu rencontrer. Et donc, on garde le suspense pour On garde le suspense, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de l'émission. Un indice, toutefois, s'inscrit, chers téléspectateurs, en bas de votre écran. Un indice, le futur gagnant ou la future gagnante sera, selon vous, celui qui pourra reprendre la proposition de Valéry Giscard d'Estaing, le changement dans la continuité. On vient de le citer, donc si on sait lire entre les lignes, on aura deviné qui sera dans la continuité d'un mandat qui vient de s'écouler. En tout cas, vous dressez un portrait robot assez précis de ce à quoi devrait ressembler le prochain leader en France. On y revient longuement. Privilège du leader en France, un président est couvert par l'immunité pendant la durée de son mandat. Nicolas Sarkozy était donc convoqué aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des sondages de l'Élysée à titre de témoin. Il s'y est rendu, Patrick, pour déclarer qu'il refusait de parler. Voilà, un petit tour au tribunal. L'ancien président convoqué comme témoin y était obligé. Les juges menaçant de faire usage de la force publique. Mais Nicolas Sarkozy y a passé moins d'une heure après avoir prêté serment, levé la main droite et dit « je le jure ». Il a invoqué la Constitution et la séparation des pouvoirs. Comme président de la République, a-t-il expliqué « je n'ai pas à rendre compte de la façon dont j'ai exercé mon mandat ». Et donc, pas de réponse sur les centaines de sondages
qui ont coûté plusieurs millions d'euros entre 2007 et 2012, sans appel d'offres, et sur les déclarations de certains prévenus, ces anciens conseillers du président, qui ont affirmé que la mise en concurrence était impossible dans la mesure où les contrats étaient signés sur instruction de Nicolas Sarkozy, il n'aurait fait qu'appliquer les ordres. Est-ce qu'il a eu raison, Nicolas Sarkozy, d'invoquer la Constitution ? Alors, il y a débat. Comme tous les anciens présidents, Nicolas Sarkozy bénéficie d'une immunité, non pas seulement pendant la durée de son mandat, mais à vie, une immunité à vie. Il reste à jamais irresponsable des faits accomplis en qualité de président. Article 67.1 de la Constitution, il ne peut pas être poursuivi. Disposition héritée de la monarchie, le roi ne peut mal faire. Autrement dit, les présidents ne sont pas des citoyens comme les autres. Sauf en cas de délit commis en dehors de leur mandat. C'est comme ça que Jacques Chirac a été condamné pour les emplois fictifs de la ville de Paris et Nicolas Sarkozy par deux fois récemment. Mais pour ce qui est des sondages de l'Élysée, comme la Cour de cassation en 2012 a jugé que cette immunité ne valait pas pour les conseillers du président, pour son entourage, eh bien ces conseillers se retrouvent jugés en l'absence du principal protagoniste, celui à qui ces sondages et ces conseils étaient destinés. Le président du tribunal a donc estimé que la comparution de l'ex-président comme témoin était nécessaire à la manifestation de la vérité. Et là, embrouille et désaccord entre spécialistes du droit, certains estimant, comme Nicolas Sarkozy, que cette immunité le protège même d'une simple audition, d'autres faisant remarquer que rien dans la Constitution n'empêche de faire citer un ancien président comme simple témoin. Je n'irai pas plus loin, il n'y a que le Conseil constitutionnel qui pourrait éventuellement trancher cette querelle. Que risque Nicolas Sarkozy en refusant de répondre ? Alors en théorie, le refus de témoigner est passible d'une amende de 3 750 €, sauf si le témoin est tenu au secret professionnel, ce que pourrait invoquer un ancien président de la République, donc vous voyez, on ne s'en sort pas. Il y a des précédents ? En 2001, le juge Alphen, qui enquête sur les finances du RPR, envoie une convocation à Jacques Chirac, président, par une simple lettre adressée au palais de l'Élysée, lequel l'invite à envoyer se faire paître. Mais en janvier 2019, François Hollande a bien voulu comparaître comme témoin devant le juge qui enquête sur l'assassinat des deux journalistes au Mali, Guylaine Dupont et Claude Verlon. Qu'aurait pu dire Nicolas Sarkozy s'il avait accepté de parler ? Eh bien, c'est la bonne question, dilemme insoluble. Si Nicolas Sarkozy avait expliqué qu'il n'était au courant de rien ou responsable de rien, bah, il aurait enfoncé ses ex-collaborateurs. S'il avait dit « je suis responsable de tout », il aurait pu les faire relaxer en ne risquant rien pour lui-même, mais à quel prix pour l'image de la justice et des pouvoirs publics ? Ce qui conduit à se demander si, sauf à tout changer, si ce procès aurait dû avoir lieu. Est-ce que Nicolas Sarkozy a eu raison de ne pas répondre ? Et la justice aurait-elle dû même le convoquer, voire organiser ce procès ? Ouais. Parce que l'expression a été employée, on pouvait obliger par la force de l'ordre l'ancien président à venir à ce procès. Ce qui, je trouve, est assez maladroit, parce qu'il n'y a aucune raison que Nicolas Sarkozy évite de répondre à une convocation. Donc, je pense que dans cette affaire, il y a beaucoup de maladresse. Je trouve que, naturellement, je ne veux pas commenter les décisions de justice. Il faut que l'état de droit existe dans notre pays. C'est vrai qu'entre la politique et l'état de droit, on est en train de s'apprivoiser progressivement et depuis une vingtaine d'années, on a fait des progrès. Il en reste encore à faire. Donc je crois qu'il faut quand même chercher à progresser dans l'état de droit, dans la politique. Donc ça, c'est clair. Et ça progresse dans le conflit, c'est ça que vous voulez dire ? Mais là, je trouve qu'il y a une sorte d'idée générale qui s'installe, qu'il y a des règlements de compte entre la justice et le président Sarkozy. Justifié ? Et que, si vous voulez, moi j'ai trouvé que l'affaire de Monaco était quand même assez surprenante, qu'on part des écoutes avec un avocat sur une action qui n'a pas été engagée, enfin, avec personne victime dans cette affaire, pas d'argent versé. Enfin, je trouve que systématiquement donner le sentiment que la cible judiciaire c'est Nicolas Sarkozy, ça affaiblit tout le reste des procédures. Donc je pense que la justice dans cette affaire devrait être plus sobre et peut-être plus ciblée dans ses visions. Nicolas Sarkozy, dont il est question, évidemment, dans votre livre, lui qui exerçait un leadership authentique, direct, toujours dans le camp de la force, même en dehors du champ politique. Il continue à peser dans le débat, Nicolas Sarkozy. Oui, il continue à peser. Bon, il est relativement distant, mais quand même, on sent toujours sa force. Je le voyais marcher sur vos images tout à l'heure. Il marche comme il dirige, en force.
Et donc, il est toujours dans l'expression d'un rapport de force. Là, vous avez vu que trois de ses lieutenants, Heurtefeu, Pechenard et Charon, soutiennent Pécresse. Donc, on a vu cette campagne Pécresse pour montrer que le sarkozysme pourrait être avec elle. Donc, ce qui veut dire que Nicolas Sarkozy soutient Valérie Pécresse. Il ne l'a pas dit, mais donc ce sont ses lieutenants qui le disent. Mais tout ça pour dire que son avis compte. Il est évident que, si vous voulez, Nicolas Sarkozy est très populaire sur ce qui peut représenter sans doute à peu près la majorité de la droite républicaine. Donc il est quelqu'un qui compte. Il a naturellement dans le pays, on le voit sur ses livres qui sont des grands succès, on le voit, il a un impact sur une partie de l'opinion publique qui lui reste extrêmement fidèle. Pas ce qui a été mesuré lors de la primaire de 2016. Exactement, mais dans cette primaire-là, il y a eu un extrême désordre qui fait que personnellement, pour moi, c'était la première et la dernière fois que je voulais vivre une primaire, parce que c'est quand même profondément destructeur, et on l'a vu quand même détruire politiquement deux premiers ministres et un président dans un seul dimanche, ça fait beaucoup. Nicolas Sarkozy qui a un parcours quasiment à l'opposé de celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est surdiplômé, n'a aucune expérience d'élu, pas de parti politique installé, et pourtant il a accédé à l'Élysée. Cette performance, elle vous bluffe, Jean-Pierre Raffarin ? Oui, je pense qu'elle est assez bluffante. D'abord, elle est bluffante par son âge, parce que c'est un job extrêmement complexe et que finalement, il avait peu d'expérience de ce job. Et on l'a vu dans cette pandémie, parce que disons quand même les choses avec une recherche de vérité. Dans la période récente, peu de présidents ont connu des situations aussi complexes que cette pandémie à gérer durant tout le mandat. Moi, j'ai connu une difficulté majeure qui était tout ce qui a pu se passer autour de la canicule. En 2003. Mais ce qui s'est passé sur la pandémie, ça a duré quasiment 5 ans. C'est d'une violence extrême, avec des conséquences imprévisibles. Et puis aussi, toujours cette incertitude sur les attitudes à prendre. Donc, le président est assez surprenant, en effet. Je crois qu'il a un vrai leadership. Et il va arriver dans la prochaine campagne avec cet atout: 50% de jeunesse, 50% d'expérience. C'est rare d'avoir la jeunesse et l'expérience. Il va être un président très jeune, encore très jeune, 45 ans, et en même temps, il a déjà une expérience. Donc, l'expérience ou l'usure du pouvoir, c'est toujours double tranchant. Vous savez bien qu'on décapite les rois tous les 5 ans. Le leadership, il peut être vertueux, mais il a ses propres dérives. Parmi ces dérives, il y a l'exercice solitaire du pouvoir. C'est exactement ce qui pêche chez Emmanuel Macron. C'est ce qui pêche. Il est en situation un peu inversée par rapport à la droite. La droite a une implantation et des forces territoriales puissantes, mais aujourd'hui a du mal à désigner son leader. Pour En Marche et pour cette équipe du président de la République, il y a un vrai leadership. Il a montré ses aptitudes, ses capacités à être sur tous les fronts. Là, on le voit, la COP, le G20, le contrat pour les jeunes. Il est présent sur tous les dossiers. Mais derrière, il n'y a pas d'organisation, ou en tout cas, il y a une grande fragilité de sa structure politique. Donc, ça veut dire que les choses peuvent être difficiles. Moi, personnellement, aujourd'hui, si on avait une situation politique qui serait ressemblante de ce qu'elle est aujourd'hui, je dirais qu'il est très bien placé pour la présidentielle, mais que pour les législatives, c'est loin d'être gagné. Souvenons-nous, Ray Cohen, vous qui connaissez la politique par cœur, que la deuxième élection législative d'un président ne se passe pas toujours facilement. Hein. Le général de Gaulle en 67, Mitterrand en 88. Mitterrand a besoin des centristes pour gouverner. Il appelle Rocard pour faire ce job. Donc l'effet vague qu'on connaît à la première élection, on ne la connaît pas forcément avec à la seconde. Une anomalie qu'on a peu soulignée, c'est que les législatives seront plus tardive après la présidentielle l'an prochain que d'ordinaire, parce que les législatives ont été maintenues en juin, alors que la présidentielle a été avancée 2 à 3 semaines par rapport au calendrier habituel. Un président sans majorité à l'Assemblée nationale, c'est un peu le scénario que vous êtes en train de dessiner pour le printemps prochain. Ça, on a déjà connu ça s'appelle la cohabitation. Exemple, celle qu'a connue la France entre 1997 et 2002. L'atmosphère était glaciale ce matin entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, qui se sont à peine salués dans le hall de leur hôtel. Ministre, on va y aller. Absolument. La marche commune vers le Conseil européen à travers les jardins a eu lieu sans qu'un seul mot soit échangé entre le président et son premier ministre. Dans la salle du Conseil, Jacques Chirac n'adresse pas non plus la parole à Lionel Jospin. Bon, une ambiance glaciale en l'occurrence, mais ça ne vous laisse pas un si mauvais souvenir que ça, la cohabitation. Vous seriez même prêt à ce qu'on décale définitivement les législatives de 2 années par rapport à la présidentielle, quitte à provoquer une cohabitation quasi systématique. Oui, je pense ça. Parce que, en fait, je suis très préoccupé par la montée de la violence.
Et la violence vient en général du fait que la politique perd de la légitimité. Elle n'a pas suffisamment de légitimité. J'avais, pendant les manifestations des Gilets jaunes, j'étais passé devant une banque, j'ai vu deux personnes mettre le feu à une banque. Ça m'a effrayé, mais c'était deux agités. C'est pas la première fois que je voyais des agités. Mais ce qui m'a surpris et terrassé, c'est de voir 1000 personnes applaudir. C'est-à-dire que cette violence, elle était légitimée. Ce qui me préoccupe dans, dans nos institutions, c'est qu'au fond, on vote pour un président qui fait élire une assemblée et cinq ans durant, les gens ont l'impression qu'ils sont hors du jeu. Et je crois qu'on aurait des mid-terms, comme aux États-Unis, à mi-parcours des élections législatives, on donnerait au Parlement une vraie légitimité. Et au pays, une campagne permanente. Ouais, et au pays, mais on est en campagne permanente dans les démocraties modernes, les journaux d'information, etc., les télévisions, les Internet et toutes nos nouvelles technologies font qu'on est en campagne permanente. Et je pense vraiment qu'un président qui serait élu, il sait qu'il a 2 ans et demi pour aller vite. Il faut qu'il aille vite. Et en effet, on sait bien que les principales réformes sont faites en début de mandat, et il faut les faire très vite. Et donc moi, je pense qu'il faut redonner de la légitimité au Parlement. Il faut rééquilibrer, car aujourd'hui, la puissance présidentielle est trop pesante sur notre vie politique. Et donc il devient la cible, il décide de tout, et donc naturellement, à un moment, il y a beaucoup d'opposition, et l'élection présidentielle, c'est pour ou contre le président. Notre démocratie doit vivre avec d'autres aspirations. Et il nous faut un Parlement, et un Parlement qui ait sa propre légitimité. Et là, les députés En Marche, ils n'ont pas de légitimité puissante. C'est la légitimité du président. Vous dites d'ailleurs que le gouvernement d'Emmanuel Macron est composé de membres trop peu connus du grand public. Vous racontez prendre le train, voir arriver un membre important du gouvernement dans le train, accompagné de conseillers, dans l'indifférence générale. Absolument. Alors que vous provoquez des émeutes quand vous prenez le train, Jean-Pierre Raffarin. Faut pas exagérer. Mais enfin, on cherchait sympathie. Quand on voyait quelqu'un qui avait un petit sourire, on allait l'embrasser sur les deux joues pour lui dire... Personne ne les connaissait. Non. C'était au début, c'est normal. Édouard Philippe, par exemple, au début, je me rappelle, personne ne le connaissait. Et puis finalement, il est devenu très populaire. Mais je pense que comme il n'y a plus de cumul des mandats, comme il n'y a plus en fait de maires, de présidents de région, de présidents de département, de gens très enracinés qui sont très connus, au moins dans leur propre territoire, aujourd'hui tout ça n'existe pas. Ce qui fait qu'il y a quelques ministres qui ont une notoriété, qui sont enracinés, mais globalement, il y en a assez peu. En résumé, je pense qu'il faut relégitimer la politique, la lutte contre la violence. Pourquoi on a inventé la politique? C'est pour le vivre ensemble. La politique est là pour remplacer la violence. Mais pour que la politique remplace la violence, il faut qu'elle soit légitime. Et le député qui est élu, parce que le président est élu, et qui, 5 ans durant, donne le sentiment qu'on ne tient plus compte de l'opinion publique, c'est pas aujourd'hui suffisamment dans le rythme, dans la respiration de nos sociétés. Donc je pense que l'élection législative doit être décalée de la présidentielle pour avoir une légitimité spécifique et puis pour donner une respiration au quinquennat. Vous dites que la cohabitation oblige le président à rester sobre. La sobriété, ça c'est un des secrets du leadership que vous développez dans ce livre. Une sobriété médiatique qu'Emmanuel Macron n'a pas assez pratiqué, ne s'est pas assez protégé. C'est quand même difficile à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'information d'adapter cette diète médiatique, cette sobriété médiatique qui faudrait disparaître. Oui, je pense qu'il faut ralentir parce qu'à ce moment-là, c'est ce dont parlait tout à l'heure Patrick Cohen, qui est l'usure. C'est qu'au fond, il y a une forme de lassitude à un moment ou à un autre. On a trop vu Emmanuel Macron. Et on voit que le président, il s'agit du président, il est dans ses techniques, dans ses attitudes, dans ses démarches, dans son vocabulaire. On sent qu'il est assez typé et que tout ça, il faut se protéger. Mais Nicolas Sarkozy avait à peu près le même défaut, c'est qu'au fond, c'est une surexposition. Et aujourd'hui, il faut plus de sobriété. Et je pense que, regardez en Allemagne, Madame Merkel, alors c'est un leadership féminin, c'est un sujet que je traite aussi parce que c'est différent, mais dans cette forme de leadership, il est plus sobre, il est plus pragmatique, il est plus empirique, il est moins communicant. Et je trouve qu'il faut faire très attention aujourd'hui. On est dans des systèmes où finalement, la population, le peuple, a la vision d'une caricature. La personne qui s'exprime, ce n'est pas le président lui-même, c'est la caricature du président qui a été en partie faite par lui, par son jeu de communication, mais aussi par ses adversaires, par les médias. Et finalement, on s'éloigne un peu de la réalité. Donc je crois que la sobriété est une clé de la communication moderne. Donc vous louez la sobriété d'Angela Merkel et vous consacrez d'ailleurs un chapitre à choisir un chef. Mais pourquoi pas choisir une chef, deux F? Point d'exclamation à la fin. Point d'exclamation parce que c'est pas du tout acquis, il faut oser.
Je pense d'abord qu'il faut se mettre d'accord sur une chose, c'est que le leadership féminin, ça existe. Très souvent, dans le 8 mars, pour la fête des femmes, on voit des papiers en disant « Non, il n'y a pas de leadership féminin. » Et quand vous dites leadership féminin, vous enfermez encore les femmes dans un statut. Tout ça. Moi, je ne pense pas ça du tout. Je pense que le leadership masculin, plus provocateur, plus communicant, et le leadership féminin, plus empirique, mais plus, je dirais, concret, un peu moins idéologique. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas des femmes qui pratiquent un leadership masculin. Oui, bah d'ailleurs, vous en parlez. Vous dites d'ailleurs que les femmes, leur atout, ça n'est pas d'être dans la séduction, contrairement aux hommes. Mais justement, il y a une femme qui, pour vous, pratique le défaut, finalement, masculin. C'est cette volonté de toujours mettre en avant sa puissance. C'est Ségolène Royal. Exactement. Quand vous dites que le niveau n'est pas là, vous pensez aussi au Parti Socialiste ? Ça, oui, mais... J'allais dire, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Oui, le niveau n'est pas là. Donc, espérons qu'il va y avoir un sursaut. Vous voterez quand même Anne Hidalgo ? Mais attendez, moi, je ne réponds pas... Non, mais je veux dire, vous restez socialiste ? On verra. On verra ce qui se passe. Moi, je voterai dans l'intérêt de la France. Ségolène Royal, prête à ne pas voter socialiste pour le bien de la France. C'est un 2 ans là qu'elle nous fait, puisqu'elle lance un tacle à Anne Hidalgo, pas au niveau, et elle nous fait là la démonstration aussi de sa puissance, de sa liberté. Exactement, mais là, elle est typiquement dans une attitude de rapport de force très masculin. Est-ce que vous voyez Madame Lagarde ou Angela Merkel dire qu'elle n'a pas le niveau d'une concurrente ? Cette attitude-là est une attitude assez bagarreuse, ça, belliqueuse, provocante. Mais Ségolène Royal, elle est provocante. Et de ce point de vue-là, je ne la trouve pas dans un leadership de type féminin, où on cherche plutôt à être assez factuel, assez efficace, de délivrer, comme on dit aujourd'hui, d'avoir une gestion proche des réalités. Et pas forcément des rêves. Elle est dans le discours. Vous voyez, on verra le moment venu. Enfin, ce sont que des phrases qui sont des phrases techniques qu'on apprend dans les cours de communication. Est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs le long contentieux qui vous oppose à Ségolène Royal ? Mais bien sûr, décrypter vos paroles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Ségolène Royal. Vous êtes toujours en verve. Je respecte Ségolène Royal comme je respecte les autres. Elle est bien égratignée quand même. Mais je crois qu'elle est typiquement dans une logique d'audace que certains appellent du culot, qui fait qu'elle est quelque chose assez différente. Ça peut être une qualité, mais de mon point de vue, c'est plutôt une qualité en matière de direction d'entreprise, de direction d'équipe. Mais pas en politique. Ça peut être en politique, mais c'est plus masculin que féminin. Je ne sais pas si vous avez un passif avec Anne Hidalgo, il faudra le détailler, mais en tout cas, elle aussi, vous en parlez dans le livre, et j'aimerais qu'on commente la puissance d'Anne Hidalgo. En tout cas, elle est semblée très remontée lors de sa dernière interview, c'était dimanche sur LCI. La gauche, le Parti Socialiste, a mis du temps, c'est encore difficile, de se relever et de porter une ambition. Voilà, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Est-ce qu'on passe de 35 à 32 heures ? Les questions sont assez débiles. Cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol qui est en train de porter notre pays vraiment dans une situation qui ne correspond en rien à ses valeurs. Et on est là à s'arrêter tous de vivre. Mais réveillez-vous aussi les journalistes. Réveillez-vous, enfin. Réveillez-vous. Le guignol référence à Éric Zemmour, est-ce que là aussi c'est une puissance que vous qualifieriez de masculine ? Je pense qu'il n'y a aucun pragmatisme, il n'y a aucun concret, il n'y a pas de vision. Elle est dans la politique pure, qui est souvent d'ailleurs de la provocation, ici même de l'insulte. Bon, et donc je pense que là on est dans une forme politique qui n'est pas celle d'un certain nombre. Si vous voyez des gens comme la Première ministre de Nouvelle-Zélande, comme un certain nombre de leaders qu'on a connus, et je pense surtout à Christine Lagarde, par exemple, vous voyez une forme de pragmatisme, de concret, elle donne des réponses précises. Des hommes politiques nous ont quand même habitués à ce genre de commentaires. Et oui, mais c'est pour ça qu'il faut des femmes en politique. C'est parce qu'elles apportent autre chose. Si c'est pour copier les hommes et copier les défauts des hommes, c'est pas idéal. Une femme, surtout, qui a vos faveurs, c'est Valérie Pécresse, qui appartient à votre famille politique. Elle se compare elle-même à la chef que vous admirez tant, Angela Merkel. Elle se dit 2/3 Merkel, 1/3 Thatcher. Elle se vante d'être surnommée la dame de fer dans sa région. Pour elle, pour vous en tout cas, elle coche tous les bons points pour devenir présidente de la République.
C'est pas ce que j'ai dit dans mon bouquin. Je dis qu'elle sera à la table de notre avenir, c'est-à-dire qu'elle a un avenir important. Mais je ne sais pas, il faut qu'elle soit désignée d'abord par le parti, donc tout ça. Et moi, je ne suis pas. Vous dites qu'elle a tout juste études, expérience, famille. Je pense qu'elle a en effet un profil. Et elle est très pragmatique quand elle dit elle est dame de fer, elle veut faire. Et ça, je pense que c'est une caractéristique de ce qu'apportent les femmes aujourd'hui aux entreprises. Quand vous regardez aux entreprises ou à la politique, quand vous regardez un certain nombre de femmes aujourd'hui aux affaires, elles font avancer souvent leur entreprise plus vite que la loi. Je connais des conseils d'administration présidés par des femmes où une femme n'accepte pas qu'un homme soit nommé dans un poste si on n'a pas présenté la femme qui pouvait être concurrente et si on n'a pas fait la démonstration qu'il y en avait un qui était meilleur que l'autre. Donc il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les entreprises, dans le concret, qui avancent plus vite que les lois. Finalement, le social va plus vite que la politique aujourd'hui et souvent à l'initiative de femmes. Et c'est pour ça que je pense que quand on a des dirigeantes qui ont cette capacité à agir, finalement, parmi le réel, dans le réel, c'est ce dont la politique a besoin aujourd'hui. On est là des discours, on est là des slogans, on est là des amalgames, on est là de l'idéologie d'une certaine manière. Ce qu'on veut, c'est une forme de réalisme et de réel dans le discours politique. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce qu'on a fait avec la parité, c'est quelque chose de très bien, parce qu'aujourd'hui, on a des réservoirs de femmes au niveau local, grâce au municipal, grâce au régional, tout ça. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est rajouter au concept de parité le concept d'alternance. Par exemple, moi, je serais favorable à ce qu'on dise dès maintenant, 4 ans avant, que le prochain secrétaire général de l'ONU sera une femme, de manière à ce que les femmes se préparent au poste. Parce que si on les prévient qu'au dernier moment, elles n'ont pas se préparé, puis elles ont un plafond de verre dans la tête et elles ne pensent pas qu'elles peuvent être secrétaire générale de l'ONU. Moi, je pense qu'une femme à la tête de l'ONU, ça changerait pas mal de choses. D'abord, ça ouvre le management. Le management n'est pas le même. Je m'attache beaucoup aux questions de management et le management n'est pas le même en général. Et donc, c'est bien d'ouvrir les systèmes qu'après un homme, on peut avoir une femme, après une femme, on peut avoir un homme, de manière à ce que les systèmes soient plus ouverts et finalement plus vivants. Donc Valérie Pécresse, ce serait bien, si je vous entends bien, ce serait bien. Pas un mot dans votre livre pour Xavier Bertrand et Michel Barnier ou j'ai mal lu ? Non, mais parce que c'est pas un livre sur la présidentielle, donc l'un et l'autre. Non, c'est un livre sur comment choisir ça. Oui. Utile pour 2022, c'est même la dédicace que vous avez faite. Peut-être que vous avez des lunettes aussi, c'est un peu précise. Bon, mais en fait, j'aime beaucoup ces deux personnalités, je les connais bien. Elles sont engagées dans une... Pour le moment, moi j'ai quitté... les Républicains. Mais vous avez bien j'ai quitté les Républicains quand ils ont dit Macron-Le Pen, c'est du pareil au même. Donc moi, j'ai quitté là, parce que Macron et Le Pen, pour moi, c'est pas du pareil au même. Ça reste votre famille. Donc ça, j'accepte pas ça. Et Chirac l'a jamais accepté, je l'accepterai jamais. Donc ça, c'est un point de divergence. Et sur ce point-là, il n'y a pas de discussion possible. Donc je ne suis pas l'air, donc je ne veux pas jouer. Mais j'ai été dans l'école supérieure de commerce de Paris, où j'enseigne ce cours sur le leadership, j'étais dans la promo de Michel Barnier. Donc je le connais depuis 50 ans. Et je l'aime beaucoup, je connais bien toutes ses forces. Et quant à Xavier Bertrand, je pense qu'il a beaucoup de qualités. Je pense que c'est sans doute celui qui peut faire le plus mal à Macron, car à un moment, il peut sans doute fédérer un front anti-Macron. Je pense que ce qui menace Macron, c'est le front anti-Macron. C'est-à-dire des gens de gauche, des gens de droite, des gens très dispersés. Et à ce moment-là, ce n'est pas forcément le meilleur candidat qui peut l'emporter, c'est celui qui a le plus grand réceptacle. Celui qui est le plus compatible avec les uns et les autres et additionner des mécontentements. Donc ça, il a un atout. Donc les choses sont assez ouvertes aujourd'hui dans le parti. Moi, je pense vraiment qu'on a finalement avec Macron un personnage assez exceptionnel en termes de leadership pour notre pays. Mais je ne vois pas l'organisation politique derrière apte à le soutenir. Giscard nous avait montré qu'on peut gagner une élection tout seul. Mais on ne peut pas gouverner tout seul, car on s'use très vite, et puis il faut générer, puis il y a l'avenir à construire. Il faut des générations qui montent et tout ça, donc il faut une force politique. Quand la droite se durcit, elle se rétrécit. C'est ce qui s'appelle une rafarinade et qui vous a valu d'être sélectionné pour le prix du Presse Club Humour et Politique 2021. Ça. L'humour, une arme politique que vous n'hésitez jamais à dégainer. Notre route est droite. Mais la pente est forte. Nous pensons qu'il vaut mieux pour Poitou-Charentes être le nord du sud plutôt que d'être le sud du nord, c'est-à-dire du sud de l'Île-de-France. Vaut mieux être le nord du sud. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win the yes
needs a no to win. Against the no. Vous consacrez un chapitre entier au pouvoir de l'humour, l'aptitude à l'humour qui est un atout essentiel pour un leader, et le modèle du genre que vous citez à de nombreuses reprises, c'est Winston Churchill. Oui. Et notamment un fameux mot au Parlement lorsqu'une opposante le menace en déclarant « Monsieur, si vous aviez été mon mari, j'aurais mis du poison dans votre thé ». Et sa réponse est formidable. Churchill dit « Mais madame, si vous aviez fait ça, je l'aurais bu le thé ». Plutôt mourir que d'être votre époux. Absolument. Mais Giscard avait un humour formidable. Je me souviens d'un Santini qui arrive au bureau politique de l'UDF en retard et qui essaie d'être discret. Il a le canard enchaîné sous le bras et Giscard lui dit « Santini, le canard ». Vous le lisez ou vous l'écrivez? Bon. Et d'une manière générale, je pense, Walensky disait, l'humour, c'est le chemin le plus court entre deux personnes. Et c'est, je crois, très important. Se pose la question derrière de l'ironie, de la violence, c'est-à-dire du non-respect de la dignité. Et là, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais je pense que dans nos écoles, on devrait apprendre d'abord aux gens de s'exprimer en public. Je donne quelques conseils sur ce sujet pour savoir s'exprimer. Je pense que l'expression dans une démocratie, ça doit être une vertu cardinale. Et puis, on devrait apprendre aussi un peu cette éthique de l'humour, parce qu'on a besoin d'avoir un peu de distance qu'on crée. On peut avoir cette poésie qu'a l'humour. Mais il faut être conscient qu'il faut protéger aussi la dignité de l'autre. Et donc, c'est un sujet qui est très difficile. L'humour présidentiel qui a joué des tours à François Hollande, devenu Monsieur Petite Blague, mais aussi à Emmanuel Macron. J'ai pas le sentiment que ce soit un scoop que la France ait été composée de tribus gauloises. Et c'est pour moi une très grande fierté. Et je le faisais par un trait d'humour dans un discours que j'incite à relire ou réentendre dans son intégralité, où je disais que le Danemark était un peuple de luthériens, avec ce que ça implique, de tropisme, ce qui est vrai, de discussion, de consensus, et que nous étions un peuple fait de tribus gauloises. Les Gaulois réfractaires. Il avait dû s'expliquer hein, de ce trait d'humour qui n'était visiblement pas passé auprès des Français. Ce n'est pas son point fort, l'humour, Emmanuel Macron. Non, il est. D'ailleurs, d'ailleurs, il a une certaine sobriété de ce point de vue-là, mais. Ça s'appelle un euphémisme. Je pense qu'en effet, il a le souci d'être assez prudent. Donc, c'est vrai que très, très souvent, notamment à travers des réseaux sociaux, je suis assez surpris. Que les choses sont prises toujours au premier degré, très souvent. J'avais un jour des Miss France, j'avais fait un tweet, erreur, bon, personne n'est parfait, le programme de Miss France est terminé très tard, donc j'allais me coucher avec mon épouse à 23h ou quelque chose de plus, et je mets un petit, c'est le seul jour de l'année où je regrette d'avoir choisi les grandes régions, et donc d'en avoir 13 au lieu d'en avoir 26. Bon, et alors là, j'ai eu une bombe, les gens qui sont trop bêtes, tout ça. Mais, jamais tweeté après 23h. Voilà, c'est ça. C'est Ségolène Royal mais, voilà, l'a appris voilà, à ses dépens. C'était avant 23h. Pour mieux juger qui sera en mesure d'être élu en 2022, vous avez donc établi un baromètre, 5 qualités indispensables, vision, sobriété, proximité, écologie, autorité. Chacun de ces critères peut apporter de 0 à 4 points, ce qui donne une note totale sur 20. Emmanuel Macron obtient pour vous un très honorable 13 sur 20. Il faudra donc faire plus que cette note pour le battre. Qui en est capable aujourd'hui? Personne, j'ai l'impression. Éric Zemmour? Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'Éric Zemmour pourra battre Macron. Je pense qu'Éric Zemmour aujourd'hui bénéficie lors d'une remobilisation de la droite. Il bénéficie aussi du fait que la droite républicaine n'est pas organisée et pas offensive pour le moment. Et donc, je pense qu'il elle est très... Elle est même complètement silencieuse sur le cas Zemmour. Hein. Elle est silencieuse, mais parce qu'elle est préoccupée par ses propres... Oui, bon, ça... Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une droite qui ne fait pas son travail politique vis-à-vis de Zemmour, mais vis-à-vis de, aussi son projet politique, ses promesses et ses engagements. Mais je crois que dans cette affaire-là, il faut vraiment, pour Zemmour, être sûr qu'il tiendra la distance. Et moi, je ne le crois pas, parce que la campagne présidentielle, c'est extrêmement difficile. Vous avez une caméra tous les jours, vous avez une pression très, très forte. C'est humainement très, très difficile. La famille, l'ensemble de l'entourage est sous pression. Et donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et je crois vraiment... Vous voyez, quand on se souvient de Jospin qui fait une mauvaise déclaration dans un retour d'avion sur l'âge de Chirac, tout ça, la présidentielle, il faut avoir une solidité. Et je crois que
Zemmour n'est pas préparé à ça. Il est préparé à faire des conférences, à faire des bouquins, à faire des speeches, mais dans ce que va être la pression, je ne suis pas sûr qu'il aura la puissance. Donc je ne le crois pas. En revanche, je pense que quelqu'un peut battre Macron si, comme on le disait tout à l'heure, à un moment, il fédère toutes les oppositions. Et c'est le défaut de la Ve République, quelquefois, c'est que finalement, on rejette un président plutôt qu'on en choisit un. Et donc là, il peut se trouver qu'un Bertrand peut avoir un front assez large. Et donc, à un moment, c'est pour ça qu'il y a des sondages qui sont quelquefois à 50-50 entre Macron et Bertrand. Mais parce que je crois au leadership, parce que je crois à la capacité, parce que je crois au caractère dont parle le général de Gaulle, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, le fil de l'épée du général de Gaulle est vraiment un livre où il y a tout de ce qu'est vraiment la conduite d'un pays. Et dans cette mission-là, je ne vois pas quelqu'un qui est à la hauteur de Macron. Choisir un chef, c'est aux éditions Michel Lafond, pour savoir qui sera élu en avril prochain. Je crois qu'on a répondu et on a mis fin au suspense. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. On se traite de menteur, on divulgue des SMS, les relations sont tendues entre la France et l'Australie. Alors d'abord, c'était un temps fort du week-end, je vous en ai déjà montré un extrait hier soir, Emmanuel Macron qui traitait le Premier ministre australien de menteur. Do you think he'd lied to you? I don't think, I know. Le mensonge en question, la France a-t-elle été prévenue en amont du contrat AUKUS, contrat de vente de sous-marins liant États-Unis, Royaume-Uni et Australie au détriment de la France? Premier temps de la réponse, celle de Scott Morrison, Premier ministre insulté par notre président. He said that what happened was detrimental to your reputation. What do you say to that? I'll always stand up for Australia's interests. He's also accused you. He says he doesn't think you liked him, he knows you liked him. I don't agree with that. Has he not told you that to your face? You saw him today, you saw him yesterday. He just said to a camera, I don't think you lied to him. He knows you lied to him. That's not true. What are you going to do to repair the relationship? Because he was pretty clear that you need to do something to repair the relationship. Well, we've done that process. Réponse, c'est pas bavard. Très courte. Vous avez remarqué, alors il faut préciser tout de même, parce qu'on ne le sait pas forcément ici, qu'il y a des élections législatives en Australie en 2022 et ça joue. Cette affaire des sous-marins n'a pas fini d'empoisonner les relations diplomatiques entre la France et l'Australie. Et donc, deuxième temps, la presse australienne a fait fuiter un SMS du président français adressé à Scott Morrison personnellement. Dans ce message, une question: dois-je m'attendre à de bonnes ou mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes en matière de sous-marins? Les Australiens estiment qu'il y a là la preuve qu'Emmanuel Macron savait que le contrat allait être revu. Du côté de l'Élysée, très en colère, selon Le Parisien, on répond qu'au contraire, le président ne savait pas où en étaient les discussions. Écoutez, l'ancien ambassadeur de France, Gérard Haro, qui Ben Raïs a contacté cet après-midi. C'est évidemment un mauvais coup des Australiens. Hein. Le texto prouve bien, d'une certaine manière, que le président de la République, deux jours avant l'annulation, n'était pas au courant. C'est vrai, moi je me rappelle que dans les 48 heures qui ont précédé le scandale, des bruits commençaient à circuler que ça n'allait pas bien, qu'il y avait un problème du côté australien. Ce n'est pas seulement un contrat qui nous a été d'une certaine manière volé, mais c'est la manière dont ça a été fait. Ils nous ont menti comme des arracheurs de dents. Pour moi, la manière dont les Australiens se sont comportés est sans précédent dans les relations, je dirais, diplomatiques entre des partenaires. Alors, on ne connaît effectivement que ce SMS, c'est deux jours avant la révélation du gros contrat américano-anglo-australien. On n'a pas la réponse à Emmanuel Macron, du Premier ministre australien aussi, il faut le préciser. Jean-Pierre Raffarin, on insulte un Premier ministre censé être ami, on divulgue des SMS. Tous les coups sont permis, là? Écoutez, le gros coup, c'est les sous-marins, hein, ce n'est pas les SMS. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Ce qu'ils nous ont fait est quelque chose d'inacceptable. Et c'est assez grave parce qu'au fond, non seulement ça pose la question de nos relations avec l'Australie, mais ça pose la question de nos relations avec les États-Unis et avec le Royaume-Uni qui est dans partie prenante de cette affaire. Donc c'est un déséquilibre dans le camp occidental qui est un déséquilibre préoccupant et donc il faut essayer d'y remédier assez vite. On est quand même moins dur sur le ton et la forme avec un Biden, avec un Johnson qu'avec le Premier ministre australien. Ben là tout dépend, mais... Franchement, j'ai le sentiment qu'il y a eu un certain nombre de contacts dans les mois qui ont précédé, où à chaque fois, il y avait certes des alertes d'un côté, mais de l'autre côté, les autorités australiennes confirmaient
qu'il y avait la stabilité du contrat. Et donc je pense que le président est de bonne foi quand il dit qu'il ne pensait pas que ce changement d'attitude était possible. On reparle dans la COP26 ce soir avec le rôle que joue la famille royale. Oui, la COP26 est à Glasgow, vous le savez. La reine devait inaugurer la conférence, vous le savez. Mais elle est restée à Londres pour des raisons de santé. Alors on l'a revue hier au volant d'une voiture dans le parc de Windsor. Elle s'est toutefois adressée aux dirigeants du monde entier, dirigeants réunis à la COP26 par vidéo. En plus, elle roule à gauche. What leaders do for their people today is government and politics. But what they do for the people of tomorrow, that is statesmanship. It is the hope of many that the legacy of this summit, written in history books yet to be printed, will describe you as the leaders who did not pass up the opportunity, and that you answered the call of those future generations. Bonsoir Jérôme Caron, grand reporter pour le magazine Point de Vue. La reine qui tape pas du poing sur la table, mais enfin quand même qui appelle les dirigeants à faire cause commune. C'est rare de la voir prendre position sur un sujet aussi politique. C'est extrêmement rare. Sa fonction impose la neutralité. Ça impose constamment une manière de... Elle doit conseiller, écouter parfois, encourager ses premiers ministres, mais jamais au-delà. Et c'est la première fois qu'elle s'exprime de manière aussi claire, en fait. Elle, il y a une conversation qui avait été captée de manière un petit peu volée lors de l'ouverture du Parlement au Pays de Galles, où elle expliquait, mais dans une discussion totalement privée, qu'ils parlent beaucoup, mais ils ne font rien, ces leaders. Et là, quelque part, elle l'affirme de manière totalement officielle au travers de ce discours, qui est un discours très marquant, puisqu'il est à la fois extrêmement personnel, puisqu'elle fait référence à sa famille, et extrêmement politique, entre guillemets, puisqu'elle met une forme de pression subtile, légère, très monarchique, envers les dirigeants mondiaux. Alors, on parle de son absence sans cesse hein, ces derniers jours, mais finalement, on n'a jamais autant parlé de la reine Elisabeth. Elle est extrêmement présente depuis qu'on a expliqué qu'elle était fatiguée, que ses médecins l'avaient poussée à prendre du repos. Donc chaque apparition est guettée, on regarde si elle va bien, si elle s'exprime bien, si elle a l'air réveillée en pleine forme. Si elle conduit, ouais. Si elle conduit, donc elle conduit parfaitement bien. C'est la seule personne en Grande-Bretagne qui peut conduire sans permis de conduire, d'ailleurs. C'est une spécificité monarchique dans son parc. Elle ne croise personne. Enfin, quand même, elle n'a pas le permis. Elle n'a pas le permis, non, c'est la seule. Elle n'a pas de permis. Imaginez l'examinateur, vous, du permis de conduire de la reine. Bon, Elisabeth, on passe la seconde. Alors, hier, en marge de la COP26. Ça n'arrive pas au feu rouge non plus. On a entendu une autre voix qui était très attendue. Regardez. We say no more blah blah blah, no more exploitation of people and nature and the planet, no more exploitation, no more blah blah blah, no more whatever the fuck they're doing inside there. Alors, sur la forme, c'est très différent. Mais finalement, ils disent la même chose, Greta et la reine d'Angleterre. Sur le fond, elles disent que c'est une priorité mondiale, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Et Elisabeth II fait référence aux jeunes dans son discours. Elle explique que c'est pour les jeunes générations, les enfants et les enfants de nos enfants, qu'elle doit se battre. À 95 ans, elle pose quelque part, pas une forme d'ultimatum, mais une forme de vraiment pression légère, en expliquant que si vous ne faites rien, demain sera pire qu'aujourd'hui. Et elle a comme référence son époux, qui est disparu en avril dernier, le prince Philippe, qui expliquait dès 1966 qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, parce qu'à un moment, ça allait devenir incontrôlable. Elle en parle dans cette vidéo du prince Philippe, elle parle du prince Charles. Et puis, regardez, on a vu William et Kate hier, complices avec Boris Johnson, avec Joe Biden, Angela Merkel, Justin Trudeau. Finalement, c'est aussi le message de la reine. Là, il y a la jeunesse, les générations suivantes qui ont repris le flambeau. Tout à fait. Alors, tout est question d'image, toujours en Grande-Bretagne, notamment dans la famille royale. Là, ils sont arrivés en train. Kate Middleton porte une robe qu'elle a déjà portée plusieurs fois. Donc, c'est une manière de montrer qu'on recycle, même de manière vestimentaire. Et c'est la prochaine génération qui a pris à pleine main ce sujet de l'écologie, puisque le prince William a récemment remis un prix d'un million à cinq associations différentes qui œuvrent contre le dérèglement climatique. Pour revenir à la COP26 et aux enjeux de cette COP, Jean-Pierre Raffarin, il y a un grand absent cette année, vous me voyez venir évidemment, c'est le président chinois Xi Jinping, principal émetteur de gaz à effet de serre, la Chine. Au-delà des engagements pris, tenus ou non, que nous dit son absence de l'intérêt qu'il porte à ce genre d'événement ? Il avait signé l'accord de Paris, mais je pense que là, vraiment, c'est très préoccupant. Notre situation est très dangereuse parce que, en fait, il faut dire les choses comme elles sont, il y a une guerre diplomatique entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Donc, il y a des gestes qui sont faits et la Chine est en train de se replier sur elle-même. Et ça, c'est très dangereux
parce qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de diplomatie, les choses se durcissent. Et donc je suis assez préoccupé par cette tension internationale qui pose la question de l'unité de l'Europe, évidemment. Et on est dans une situation aujourd'hui internationale où tout est piloté par cette tension. C'était d'abord une guerre douanière, maintenant c'est une guerre diplomatique, et il ne faudrait pas qu'avec Taïwan ou quelques autres difficultés, on passe à une autre dimension. Mais dans ce contexte très négatif, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très positif sur ces images de COP26, c'est que la planète devient un objet politique. Dans mes générations, quand j'ai commencé la politique à 20 ans, la planète n'était pas un objet politique, on ne définissait pas par rapport à la planète. Et aujourd'hui, ce que je trouve formidable justement, c'est que les jeunes aujourd'hui sont partout, à San Francisco, à Bangalore, à Chasseneuil-du-Poitou ou ailleurs, ils sont tous motivés pour qu'on humanise la mondialisation, c'est-à-dire qu'au fond, qu'on tienne compte de la planète, qu'on défende la planète pour défendre l'humanité. Je trouve que le fait que la petite Greenberg, que les uns et les autres soient mobilisés, c'est quand même l'émergence d'un consensus. On était jusqu'à maintenant sur ce qu'on appelait le consensus de Washington, c'est-à-dire grosso modo la performance économique. Faites de la bonne gestion et vous serez des bons élèves internationaux. On voit aujourd'hui le consensus, qui est peut-être le consensus de Paris, à partir de la COP21 qui avait été organisée ici, et ce consensus-là sur la planétisation de nos sujets, c'est quelque chose qui a le soutien des sociétés civiles et qui a le soutien des jeunes. Et c'est la première fois que je vois depuis un certain temps un consensus international émerger avec le soutien de la jeunesse. Encore faut-il que les chefs d'État puissent répondre à oui, ça. Hein, mais quand même, la paix, c'est des consensus. Et quand vous regardez tout ce qui se passe avec les problèmes de migration, les problèmes de terrorisme, les problèmes de puissance autoritaire, etc., on a beaucoup d'inquiétudes, mais il y a quand même l'émergence d'un consensus qu'est le soutien des sociétés civiles. Et ça, c'est quand même quelque chose. Il faut quand même, dans notre monde, que quand on voit une petite lumière qui s'allume, qu'on essaie de la protéger. La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab. C'est le slogan d'une campagne de communication du Conseil de l'Europe. Oui, campagne qui fait déjà polémique ici en France. Alors on y voit sur cette campagne des femmes sans voile, les mêmes femmes avec le voile. C'est un appel à la tolérance du côté du Conseil de l'Europe. Ici en France, on sait que c'est un sujet évidemment sensible, des réactions à gauche comme à droite. Valérie Pécresse, pour qui l'Europe doit soutenir les femmes qui se battent pour le droit de retirer le voile. La socialiste Laurence Rossignol qui pose la question de la promotion du voile par le Conseil de l'Europe. Marine Le Pen qui affirme que les femmes sont libres quand elles le retirent. Éric Zemmour qui y voit un djihad publicitaire. La liste n'est pas exhaustive, simple précision tout de même. Ce n'est pas l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe, une organisation intergouvernementale qui rassemble 47 pays au total. On a la Russie, la Turquie dans le Conseil de l'Europe. Est-ce que cette campagne, Jean-Pierre Raffarin, elle vous choque ? Oui. Moi, j'ai fait passer le texte quand j'étais à Matignon sur le voile à l'école. Et donc, pour moi, la liberté, c'est aussi de ne pas pouvoir porter le voile. Et donc, je crois que cette campagne-là est une campagne qui, dans notre conception de la laïcité, de la transparence des visages, d'un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes attachés, cette campagne est quand même préoccupante. Aux États-Unis, des parents d'élèves, on peut goûter la photo de classe de leurs enfants. Vous savez ce que c'est, hein, le jour de la photo de classe. Je pense que pour tout le monde, ici, on les met sur leur 31 pour une photo qui leur fera honte dans quelques années. Alors, surprise pour certains parents lorsqu'ils ont découvert que leurs enfants sont passés sous le filtre Photoshop. Là, vous voyez des taches de rousseur qui ont disparu. Parfois, c'est une cicatrice qu'on retire, des appareils dentaires gommés, des photos d'enfants retouchés comme des mannequins en couverture de magazine. Écoutez cette maman américaine indignée. On a effacé les appareils auditifs que porte son fils. My son's hearing aids were photoshopped out of his school photo. Is he okay? Right now, technically, yes. He's 3 years old. He doesn't understand what it means. Does it really matter if it's edited or not? How would you like it if somebody edited your nose off your face? That's kind of part of you. It's crucial to you and your development. Unfortunately, the world didn't see it that way, so they went ahead and just took your nose away. Alors, en fait, c'est un service qui est proposé aux parents, et pour certains, on a usé de la retouche sans les consulter. Mais c'est le fond même de cette offre qui est remis en question par cette autre maman à la télé américaine. I was shocked, honestly. Like, I can't believe that young kids are being offered this option at all. It's a little weird that the parents are offered the option before they even see these photos of their children. Une polémique qui nous a rappelé un autre débat de l'an dernier, voilà, un débat lancé par ce lycée de Floride qui avait eu l'idée très puritaine pour le coup de modifier grossièrement le décolleté des jeunes filles de l'album photo de fin d'année.
On termine avec le concours Lépine. Et oui, parce que c'était ce week-end, et je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ce qui était présenté au concours Lépine. On sent que le Covid est passé par là, avec le gagnant l'inventeur de cette table basse qui se transforme en poste de travail. Oui, on est à l'époque du télétravail désormais, grand écran, des enceintes, transformation en 30 secondes. Très Covid aussi. C'est simple, hein. C'est cette poignée de porte, parce que bon, bah, il paraît que maintenant on ouvre avec le coude, évidemment, donc on l'a rendu plus ergonomique, cette poignée qui facilite l'ouverture avec le coude. Une bonne idée, tiens, pour les personnes en fauteuil roulant, un système de fixation pour clipser un fauteuil roulant sur une trottinette électrique. Ça n'a l'air de rien comme ça, hein, mais le dispositif coûterait 500 € contre 10 000 pour un fauteuil roulant électrique. Et puis l'invention la plus spectaculaire, sans doute, pour les pompiers pyromanes, c'est une grenade extincteur. En fait, c'est une bombe que vous lancez, voilà, à distance. Je ne vous fais pas un dessin, ça éteint le feu. Une petite sélection du concours Lépine. Qui avait lieu ce week-end. Merci Mathieu. 13 sur 20, c'est la note Jean-Pierre Raffarin que vous attribuez à Emmanuel Macron prétendant à sa réélection. Pour le battre, il faudra faire mieux. 7 sur 10, c'est la note très officielle que lui a attribuée West France, qui a analysé et noté un autre match du président, un vrai sur le terrain, 76 minutes au petit trot. Un milieu de terrain pas tout à fait comme les autres, qui a touché son premier ballon à la deuxième minute de jeu, qui est auteur d'une première accélération foudroyante. Voilà, on voit là avec ça. Avant un pénalty chanceux, voire très chanceux. Et but ! Jacques Vendroux. Comment ça va? Ça va bien, on est ravis de vous accueillir à l'occasion de la sortie de ce livre qui nous plonge dans vos souvenirs. Et ce match du Variété Club de France avec un numéro 3 très prestigieux va rallonger la liste de vos bons souvenirs. Entre nous, le gardien laisse honteusement filer la balle. Non. Arrêtez. Si. Le gardien de but, eh bien, il a choisi un gardien de but. Choisit un côté quand il y a pénalty. Il a choisi le côté droit. Il a choisi le côté droit. Et le président a mis le ballon au centre. Et voilà, oui. Il a marqué. Le président qui a vraiment dit avant le match, les pénaltys, on laisse ça aux vieux, en regardant Alain Giresse et Jean-Michel Larquet. C'est vrai. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit, je lui ai dit, est-ce que vous souhaitez tirer les pénaltys? Il m'a dit non, il faut le laisser aux anciens. Parce que Jean-Michel Larquet, sur ce match de Poissy, avait annoncé que c'était son dernier match officiel. Et donc, faut le laisser à Jean-Michel et à Alain. Et Jean-Michel était déjà sorti, donc Alain a pris le ballon, Alain Giresse, et l'a apporté au président, et donc le président, il était obligé de tirer le pénalty. Voilà. Voilà l'histoire. C'était vraiment un joueur comme tout le monde ? Moi, je vais vous dire que c'est un souvenir formidable. Il est arrivé dans le vestiaire, il a salué tout le monde, j'avais même pas besoin de lui présenter les joueurs, parce que comme il aime tellement le football, il connaissait Marcel Desailly, il connaissait Rudy Garcia. Il s'est fait masser avant le match. Brigitte Macron est quand même venue vérifier à la mi-temps qu'il s'était pas blessé. Non, elle est venue avant le match. Ah, pardon. Elle est venue avant le match et à la mi-temps. Ah, c'est elle est venue avant. Non, attendez, vous faites bien de poser la question parce qu'elle est venue avant le match, pour nous dire, voilà, aujourd'hui, vous devez jouer pour les pièces jaunes. Et elle dit, je voudrais demander l'autorisation, je voudrais changer. On va jouer pour la Fondation... Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, 50 000 euros. 50 000 euros, et elle a décidé que cet argent serait à une association à Kaboul, mère-enfant. Et donc, tous les joueurs ont applaudi et ont dit évidemment qu'on peut jouer pour cette association. Bien sûr. Voilà. C'est le Variété qui jouait pour la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Merci beaucoup, Jérôme Caron. Point de vue, merci d'être venu nous éclairer sur le rôle de la reine, le nouveau rôle politique de la reine Elisabeth II. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Raffarin, parce qu'on a des images de vous aussi qui jouent, qui faites du sport. Et c'est très impressionnant. Ouais. Ça s'appelle une grosse casserole. Restez avec nous pour la casserole de Jean-Pierre Raffarin. Jacques Vendroux nous parle de son livre « Sur un malentendu formidable ». 55 ans de carrière, toujours en cours. Il y aura aussi le vu. Zéro. À tout de suite.